Bonjour, bonjour tout le monde, comment vous allez? C'est le début du week-end, hein? Moi, le week-end, si j'ai quand même été si quoi? On dit quoi? Bonjour. Bonjour la famille. Bonjour tout le monde. Partagez le live. Je ne vais pas durer. Hein. C'est quelques minutes de pause café. Hein. Coucou Donny Donny. Je t'ai vu à la fenêtre. Donc tu avais intérêt à me saluer. Parce que je connais ton profil. Donny Donny à la rose. On peut rester fidèle à sa trajectoire comme ça. Maman, c'est ça qui dérange les gens. Hein? C'est ça qui fatigue les gens. C'est-à-dire que, merde, Elangala, elle fait comment? Coucou, l'OCW. Oui. Elangala, elle fait comment? Depuis les années, on allait à tout faire pour la mettre au sol. N'avez pas encore. Vous pouvez appeler Shiva. Hein? Connaissez mon nom, non, c'est Emilienne et Emiline d'aller là. Tous les stratégies, stratagèmes, c'est ça qu'on a fait. Maman, bonjour, l'Orseo, c'est comment? C'est une petite pause café. Après, je reprends le boulot. Voilà. J'ai commencé très tôt ce matin, c'est pourquoi vous n'avez pas eu de café matinal. Parce qu'il y a des jours comme ça. Ça y est, le jeudi et le vendredi, pour moi, c'est des grosses journées. C'est des grosses journées. Le jeudi et le vendredi. C'est des très grosses journées. Je suis une brave femme. Je les dépasse bien, en tout cas. J'ai bloqué tous ces marmailles là, tous ces gens-là. Qui veulent me mélanger dans le management. J'ai tous bloqué. Donc, je ne suis plus au courant de ce qui s'est dit. Voilà, sur ma personne. Ouais. Vous savez, ce qui fait ma force sur les réseaux sociaux, c'est que je sais souvent assumer mes erreurs et prendre conscience et avancer. Ouais. Cette histoire de présidente qui m'a coûté ce qu'elle m'a coûté là. Ouais. Coucou mon fils Toby. Oh Toby, tu as fait un très beau live. Oh franchement, cet enfant, tu as quelque chose en hein, Toby. Je te jure, là, il reste dans ta lignée de la sensibilisation. La seule chose que je peux te demander, c'est une doléance, hein, mon fils, en tant qu'une maman. Parce que je t'ai dit, je suis ta maman. Toi, je peux t'accoucher. Mais tous les autres qui m'appellent maman, là, je ne peux pas les accoucher. Parce que moi, mon fils est né au Cameroun. Mon premier fils est ton aîné. Donc, je peux t'accoucher. Soit vous avez le même âge, soit il est ton aîné. Quelque chose de ce genre. Donc, toi, là, toi seul, tu peux m'appeler maman sur la toile. Tous les autres vieilles chouettes, personne n'a le droit de m'appeler maman là-bas. Je ne peux pas les accoucher. Donc, tout ce que je peux te demander en tant qu'une maman, c'est que pardon. Lève un peu l'ancre sur les insultes. Oui, mais tu peux reprocher à ces mamans-là, voilà, donner ton avis sur un point, mais lève l'ancre sur les insultes, mon fils. Voilà. Rien que ça, que c'est une doléance. Je parle de la même manière que je parlerai à mon enfant à la maison. Parce que même mon enfant à la maison, si je parle sauvagement, elle va me manquer de respect. Surtout les enfants qui sont nés ici, là. Donc, on est parfois obligé de... C'était en Afrique... Quand la mère parle, tu tentes de faire que gnac. Avant de finir ton gnac, tu as reçu un coup de ceinture derrière le dos. Mais ici, là, on ne peut pas. Oh. Ici, on supplie seulement. Même pour lui demander un verre d'eau, tu dis que. Ma princesse, s'il te plaît, tu peux apporter un verre d'eau à maman?
Maman, ton propre enfant que tu as porté 9 mois dans ton ventre. 9 mois de souffrance. Léo Nature, bonjour. 9 mois de souffrance pour avoir un bédo. Il y a supplication dans ça. J'ai compris ma rose, mais elle ne respecte pas. Je ne dois pas lui donner. Je dois donner la dose de Borosaki. Elle est de papin. Elle est papin, même là où on me dénigre, n'est-ce pas? Elle est là-bas. Moi, je te dirais non, laisse mon fils. Mais maintenant, tu fais ce que tu veux. Hein. Elle est même tête de papin là. Là où on dénigre les gens, elle est là-bas, tu crois. Elle a sa tête comme de cocombo. Ma soeur de Rouen, le gourou de la teuk a choué. Le gourou de la teuk a choué. Tu dis que quoi? Donc, que le challenge que tu as fait ici, là, est petit. Que tu vas aller faire l'autre au Cameroun. Maman, le jour où la teuk a choué, le jour où votre maman se met à faire le challenge, vous me dites, je partage ça sur ma page. Je vous aide à partager. Chouane. Ma soeur de Rouen. Femme, tu connais, non? Tu me doses et te doses. Tu me doses et te doses. C'est les bonnes guerres. Les bonnes guerres. Femme, tu as dit que moi, je ne suis pas là les histoires de plaintes. Moi, je ne connais pas les plaintes. Plaintes de quoi? On m'insulte sur Facebook et pas porter plainte. Qu'il y a quoi dedans? Tu me laves si j'ai à te laver, te lave et puis on avance. Et puis ça ne chauffe pas. Toi, avec toi seulement là, pour nous là, c'est dans l'eau qu'on va régler ça. Tu connais devant les ancêtres. Toi et moi. Hein, le gourou de la teuk a chieu. Le gourou de la teuk a chieu. Tu dis que tu es têtu. Moi, je suis têtu. Mon Dieu, je suis. A fait au chipoil, pas fait au direct. Hein? Elle t'attendait que tu fasses pour toi. Ma carie douce, ma belle chou. Hein? Le gourou de la teuk a chieu. Je te vois là-bas, tu adules tes belles sœurs et boulou. Moi, je n'ai pas le droit d'aduler ma part de belle sœur. Ma belle sœur carie douce. Ma carie douce, ma belle chou. Hein? Mes belles sœurs boulou. Mes belles sœurs boulou. Donc, toi, tu peux aduler tes belles sœurs boulou. Quand la famine te tue ici, là, tes belles sœurs boulou, là, t'es où? Comme mes belles sœurs boulou. Viens de vous. Moi, je suis la belle sœur de l'Ouest. Et je suis chouchoutée à l'Ouest. Aïe, aïe. Maman, tu m'en veux. Je sens qu'après le 2 novembre, Facebook va prendre feu. À partir du 5. Il y a les gens qui vont bouffer l'Njangui à partir du 5, maman. Tous ceux qui ont tontiné. Ah, j'ai confiance à ma BSU. Comme Facebook dort depuis là. Après le 5, préparez-vous. Tous ceux qui ont tontiné sur le nom de la légende là. Elle va vous envoyer des petits missiles comme ça, la petite missile comme ça. Chacun va prendre sa petite missile. Sa petite missile. Et nous, on va aromatiser sa roue. Ça ne chauffe pas. Le gourou de la teuk. Tu dis que quoi? Non, j'adore l'hypocrisie de Meta. Ça dit que tu laisses ta team laver d'abord bien. De la Miondo. De la Miondo n'est plus dans les clashs. Donc, moi, je ne peux plus l'appeler avec les noms. Elle a dit qu'elle a demandé la paix. Et comme moi, je ne me reconnais pas avoir été en guerre avec elle. Donc, elle a dit qu'elle n'est plus dedans. À partir du moment où elle ne me manque plus de respect, moi, pour l'instant, je ne lui manque plus de respect. Donc, je parle d'elle en tant que Ndolem Yondo. Là, je donne seulement un avis, sans lui manquer de respect. Parce qu'elle n'est plus dans les clashs. Respectons la paix des gens. Moi, je respecte la paix des gens. Donc, le gourou de la teuk a chieu. Maman, l'hypocrisie de Meta. Non, j'adore votre hypocrisie ici sur Meta. Tu laisses d'abord ta team. Ta team lave bien Ndolem Yondo. Sèche Ndolem Yondo. Savonne Ndolem Yondo. Pimente Ndolem Yondo. Coucou mon bébé Roxane. Coucou, je te claque les bisous depuis ta position. Savonne Ndolem Yondo.
aromatise, atomise un de mignon dont tu sors alors quelques jours après. Oui, je respecte la paix de ma âme sœur. Oui, moi, je respecte, voilà, une vieille fille, voilà. Moi-même, je respecte sa paix. Maman, quand quelqu'un dit qu'il ne peut pas, il ne peut pas, on doit respecter ça. Voilà, j'ai mis même son courage. Ndolé, vraiment, bravo. Mais moi, pour l'instant, je ne suis pas dans la paix. Parce que je ne suis en guerre avec personne. Quelqu'un m'allume, si j'ai la force d'être allumé, t'allume, aura. Vos histoires que tu es commerçante, commerçante, vous voulez me rendre bobo, bobolito, que je suis commerçante. Tu vois souvent les mamans bayamselam là-bas au Cameroun, là-bas là, devant leur comptoir de tomates et d'oignons là. Elles bagarrent. Elles luttent bien même. Moi je suis une bayamselam. Vos histoires que quand on fait la commerce, et là la commerce on ne cherche pas le problème. La vendeur d'œufs ne cherche pas. Et les problèmes, on, le vendeur d'œufs, ce que tu lui prends pas l'acheter, et puis son plateau d'œufs tombe. Voilà. Mais si le vendeur d'œufs, tu lui promets la bagarre, tu penses qu'il va te laisser parce qu'il vend les œufs? Il va porter le plateau d'œufs là, il va déposer ça, il va mettre ça en sécurité, puis vous allez, tcham, ça ne chauffe pas. Donc, les hommes à vos histoires là, que un vendeur d'œufs, ne cherchez pas le problème. Maintenant, un vendeur, je choisis avec qui faire les problèmes. Hein? Tu m'allumes, tu es le genre de calibre qui peut te répondre. Ouais. Ma soeur de Rouen, là, elle, là, le gourou de la tête cachée, c'est une histoire de famille. Vous venez vous mettre tous ces. Vous n'avez pas vu que tous ceux qui sont venus se mettre dedans. Et c'est eux qui sont restés. Entre elle et moi, c'est une histoire de famille. Je vous ai déjà dit ça. Ne venez pas vous mettre dans une histoire de famille qui ne vous regarde pas. Elle m'allume, je l'allume. Elle m'allume, je l'allume. On s'allume. Jusqu'au jour où on va descendre tous les deux dans l'eau. Et les ancêtres vont trancher ça là-bas. Vous mêlez dedans que ça vous regarde à quoi? Hein? Vous mêlez dedans par rapport à quoi? C'est ma soeur. It's my sister. C'est une histoire de famille. C'est la famille. Oui, oui, oui. C'est une histoire des enfants de l'eau. Oui? C'est de ça qu'il s'agit. On ne me mêlez pas à vous mettre dedans. Eh, mais dose, je dose. Elle dose ici, là. Si c'est plus fort que moi, il prend sur moi. Hein, parce que pour l'instant, moi, j'ai trop d'avance sur elle. Elle a une seule balle. Peut-être que quand elle va aller au pays, là, elle va se renseigner dans les renseignements. Elle peut trouver une autre balle qu'elle va venir m'atomiser avec. Elle va venir. Et une nouvelle balle pour Croti Kota. Croti Kota. Tu as dit que tu me pouvais, non? Et te montrer que tu m'as trouvé dans les roseaux chauds. Hein? Mais pour l'instant, elle a une seule balle. Moi, j'ai les balles. Elle est bas. Hmm? Ses propres balles. Hein? Moi, il parle pas quelque chose quelque part. Hein? Ça sort de sa propre bouche. Je prends seulement et dépose. Puis les gens écoutent. Donc, l'affaire de Ngonjal et moi. Hmm? Moi, elle est Ngonjal. Moi, je suis Croti Crota. Oui. C'est ma Ngonjal chou. C'est ma Ngonjal d'amour. C'est ma Ngonjal chouchou chouchou. Oui. Hein? Je suis sa Croti Crota, chérie. Ma rose, ne tolère jamais quelqu'un saboter ton gagne-pain. Maman, c'est ça que tu dis doucement là. Hein? Moi, je suis sa Croti Crota d'amour, sa Croti Crota, chérie. Sa Croti Crota, sa préférée. Hein? Quand elle me dose, elle vient et fait comme ça. Ça fait souvent. Si elle peut digérer, elle digère. Maintenant, quand je redose, elle sent ça dans ses côtelettes. Elle dit qu'elle sent ça. Ça lui paie dans les côtelettes. Que non, pim, 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 pim. Hein? Donc maintenant, elle dit que après le quoi? Micro-trottoir de France. Maintenant, c'est le micro-trottoir au Cameroun. Tu seras assis dans quel bar, non, Mamisa? Tu me dis, je t'envoie même 4 billets le jour là. Même un casier de d'espé. Parce que c'est la d'espé que tu bois souvent quand tu es au Cameroun. Hein? Tu me dis, je t'envoie un casier de d'espé. Comme ça, tu t'assois bien le jour là et tu fais ton micro-totoir. Chouana Mbonga. On peut aimer le Japa comme ça. Toi, tu détestes le Japa. C'est pour ça que tu es sur mon live. Bibiche Blonde, bonjour. La rose chou. Tu sais choquer. Hein, Ngonjal? Ngonjal chouchou?
Et en plus, on a quelque chose en commun. C'est une histoire de belle famille. Hein? Elle a sa belle famille, Boulou. J'ai ma belle famille à l'ouest. Donc, c'est une histoire de belle famille. Maintenant, c'est le pouvoir dedans le pouvoir. Norga. Hein? Ma belle famille, Boulou. Ma belle famille, Boulou. Ma belle famille, Boulou. Sauf que moi, je n'ai jamais lavé une de mes belles soeurs jusqu'à ses entrailles. Hein? C'est vrai que j'avais un peu touché Tata Lolo. Mais pas comme toi quand même. Toi, tu as, il y a ta belle soeur, il y a une de tes belles soeurs. Je vais sortir le remember là. Il y a une de tes belles soeurs que tu as lavé ici, la maman. Claire, quoi, bonjour. Hey. En rose, Belemba. Ah, d'accord, ok, la belle, la bonne, toi, la belle. Mouna Sawadouala. Quel d'esprit, elle a l'argent. Son goût, c'est la Alpe. Ah, c'est la Alpe. Ah, Alpe. Alpe. Ah, Mouna Sawadouala. C'est la Alpe. Voilà, donc le jour là, quand tu vas aller faire le micro-trottoir, demande pardon à Diamant. On passe à autre chose. Je lui demande pardon, quel est Dieu? Pourquoi demander pardon à Diamant? C'est les vous là, vous les belles Kamga, c'est vous qui venez vous mêler dans une histoire de famille qui ne voulait. Moi, je ne suis pas Ndolé Miondo, hein. C'est Ndolé Miondo que vous avez effrayé un peu là-bas, comme ça, vous l'avez fait comme ça, boum. Hein? Elle a poum. Moi, je ne suis pas Ndolé Miondo, hein. Je suis le Tronkanda. Vous connaissez le Tronkanda? Et le Mangossi. Vous connaissez le bois qu'on appelle Mangossi? Ça, c'est moi-même. Hein? Je ne suis pas Ndolé Miondo, hein. Demandez pardon à Diamant Bleu. Il demande pardon, quel est Dieu? Demandez pardon à Diamant Blanc qui c'est ça. Demandez pardon à Diamant Blanc qui c'est ça. Vous allez attendre mon pardon là jusqu'à. Une demande pardon, quelle est qui? Elle a demandé pardon à monsieur Messang, au couple Messang. Quand elle va demander pardon au couple Messang, moi-même je vais lui demander pardon. Que diamant, votre diamant, c'est quoi la diamant quoi là? Hein? Le caillou le plus pauvre de la terre là. Hein? Quand elle va demander pardon au couple Messang, je vais lui demander pardon. Regarde-moi eux là-bas. Demandez pardon à Diamant Blanc qui dit ça. Demandez pardon à Diamant Blanc qui dit ça. Tu dois lécher tout le monde. Non seulement Flo. Je dois lécher tout le monde. Non, moi j'ai décidé de lécher seulement Flo. Ne lèche pas tout le monde. Tu as compris, non? Tu dois lécher. Je refuse de lécher votre diamant bleu parce qu'il n'y a rien à lécher sur elle. Tu m'envoies lécher quoi? Je ne lèche pas diamant bleu. Il y a quoi à lécher sur diamant bleu? À part sa peau qui tombe là. Hein? Quand tu regardes sa peau, tu regardes la peau de Flore là. C'est la même chose. Bête Kanga. Quand tu regardes la peau de votre diamant bleu là, sa peau effilochée qui tombe là. Je vais, c'est par où que je vais lécher? Quand tu vois ma peau là, on commence à me lécher par les orteils comme ça. Ta, 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 et puis ça monte. Hein? Tu vas pas commencer. Ton diamant, ce diamant, quoi là? C'est son où qu'elle va lécher? Il y a quoi sur elle qu'elle peut lécher? Hein? Je vais lécher quoi? Tout le corps que tonton Touéry a rempli avec les cicatrices partout là. C'est moi qui vais venir lécher les cicatrices que tonton Touéry a mis. Ça va pas, non? Hein? Tu dois lécher. Non, moi je laisse pas tout le monde. Je lèche rien que Flore. Il n'y a que Flore que je lèche. Parce que c'est chez elle que c'est léchable. Là-bas, au moins, quand tu lèches, c'est le miel. Flore est la reine de la ruche. Hein? C'est-à-dire, si j'ai la possibilité de lécher celle-là même qui pond le mien, la reine des abeilles, qui pond du vrai miel, c'est-à-dire que je lèche le vrai miel. Tu vois? C'est ça que je mets dans mon café tous les matins. Je vais lécher quoi chez votre diamant? Je vais toujours dans mes lives avec mon nom. Vous allez couper ici. Là. Tu peux faire le nier de Flore. C'est-à-dire que c'est le miel. Flore, c'est le miel. C'est la reine des abeilles, non? Hein? C'est la reine des abeilles. Donc, là-bas, quand il lèche, là, c'est le miel. Votre diamant, machin, tout là, il y a quoi là-bas à lécher? Hein? Si une douleur même à poum. Pensez qu'un dollar à poum pour rien. Dollar, excuse-moi, hein, mais c'est la vérité. Est-ce un dollar à poum pour rien?
Ndolé, lynché, insulté. Maintenant, vous avez encore voulu même ajouter sa famille dedans. Tout ça dans zéro, dans rien. Elle ne gagne rien. Hein? Votre diamant perpète, à chaque fois que je donne sa dose, quand il finit, j'ai au moins 6 personnes qui m'appellent pour commander le savon. J'ai au moins 10 commandes après. Hein? J'emballe seulement, j'expédie. Ndolé est sorti là-bas, 11 devant 11, élan, élan. C'est la même chose. Venez tous me chercher. Vous connaissez ma bouche, vous faites semblant. Blanche Blanche, bonjour et bon après-midi. Vous connaissez ma bouche, mais vous faites semblant. Vous n'en avez pas, mop. Et vous faites semblant qu'il faut lécher tout le monde. Il ne faut pas seulement lécher Flore. Donc, c'est mon léchage sur Flore qui vous fatigue comme ça là. Oh, wow, maman. Le truc qui lèche Flore, c'est ça qui vous fatigue. Mais c'est que vous allez vous fatiguer, hein? Mince! Vous allez vous fatiguer. Parce que je n'ai même pas encore commencé le léchage. Chouan. Bon après-midi, Blanche Blanche. Il ne s'agit pas de ça, oh. Nira. Il a même écrit quoi, là? Nira, c'est quoi? Tu commences toi à manquer de respect ici et te bloques seulement. Hein? Faut pas venir écrire les cancans choses ici là. Te bloques, cache un tour. Voilà. C'est quand on vous laisse un peu de liberté comme ça. C'est ça, non, bibiche blonde. Ils font comme si on lèche tout le monde. Est-ce qu'on lèche tout le monde? Hein? Quand moment vous me regardez là, vous me regardez comme si je suis quelqu'un qui a tout. J'ai tout ma tête, tout mon sens. Je sens à quelqu'un qui va aller lécher les arbres sèches. Hein? Là où les feuilles sont déjà en train de tomber, toutes les feuilles tombent comme ça, waouh. Moi, je vais là-bas, je gagne quoi là-bas? Mais n'importe quoi, et vous laisse, mon café est fini. C'était la pause, petite pause café. Donc, Ndolette Ayam félicite ta paix. Hein? Elle a d'abord laissé que sa team, l'hypocrisie de Meta. On a tout ça. Tu lèches bien, Flore de Lille. Je lèche très bien. Tu souffres, pourquoi non? C'est moi qui lèche et c'est toi qui souffres. Tu as maintenant beaucoup écrit. Au revoir. Oh, Mba. Bye, bye. Au revoir. Hein? Voilà, tu as trop écrit là. Mélanger Nadia, bonjour. You don't write too much. Victorine Yango, bonjour. Oui, lécher l'assiette, rouiller, alors que à côté, il y a la porcelaine avec le bon morceau de viande. Je dis que Victorine Yango, je wanda même sur eux. Hein. Donc, ma soeur Ndolé, apparemment ta yam soeur, l'hypocrisie de Meta. Après avoir laissé que sa team te lynche propre, reçois maintenant la rose. Tu peux insulter Ngringa, mais arrête un peu d'appuyer sur Flore. On dirait que c'est ton seul argument de combat. Mariam Aissatou, quand tu es arrivé à mon direct, à quel moment? Je te réponds parce que tu es quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu dans mon combat. Tu es arrivé dans mon direct à quel moment? Hein? Je peux comprendre que ta tête, je sais pas, tu n'aimes peut-être pas Flore, ça c'est ton droit. Je ne peux pas te l'empêcher. À partir de quel moment tu es arrivé dans mon live? Au début, je parlais pas de Flore dans mon live. Quelqu'un a ramené le nom de Flore, d'accord? Et moi, j'ai ma façon de gérer mes lives. Je te soutiens toujours. Je le sais, c'est pour ça que je prends la peine de te répondre aussi gentiment. Parce que je sais que tu fais partie des gens qui me soutiennent. Maria Maïsatou. D'accord? Quelqu'un a ramené le nom de Flore. Hein? Et moi, Meta, je maîtrise Meta. D'accord? Quelqu'un a ramené le nom de Flore voulant dénigrer Flore dans mon live. Et moi, je ne permets pas qu'on dénigre Flore dans mon live. Parce que Flore, je l'assume. J'assume Flore. Aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, quand tu viens, tu ramènes le nom de Flore voulant la rabaisser dans mon live. C'est mon droit et mon devoir et c'est mon live. Je le gère comme je veux.
Maintenant, tu es libre aussi de penser ce que tu veux. Fanny, non, je vais bien. Tu es libre de penser comme ce que tu veux. Et ce n'est pas mon seul argument de combat. Parce que c'est les gens qui utilisent ça, pensant pouvoir me déstabiliser avec. Et je ne leur envoie que ce qu'ils veulent écouter. Donc, ce qu'ils attendent que je fasse, je ne leur donne pas ça. Je leur envoie. Et je dis toujours que faut combattre les gens, mais pas avec le nom de Flore. C'est un constat. Bon, que les gens ne ramènent plus le nom des gens. Parce qu'à partir du moment où je fais mon live, je ne ramène pas un nom. Et un détracteur vient avec ce nom parce qu'il attend que soit je méprise la personne, alors que cette personne, c'est quelqu'un que moi j'apprécie. Je lui dis ce qu'il attend en retour. D'accord? Voilà. Quand j'ai commencé mon live ici, là, ça n'avait rien à voir avec Flore. C'est depuis le combat avec ce nom. Voilà même les abeilles. Voilà même les abeilles de Flore. C'est un constat. Attends. Et je dis toujours. Attends. La rose. Attends. Je dois lire ton commentaire parce que je dois te répondre. Tu sais, moi, j'aime les trucs. Car tu es vrai. Voilà pourquoi on t'attaque. Tu dis toujours, il faut combattre les gens, mais avec le nom. Attends. Pourquoi tu dis ça? Tu as écouté le début. C'est ce que je lui ai dit. Qu'elle n'a pas écouté le début. Il y a un commentaire là que je voulais lire. Si tu as parlé. Parce que moi, j'aime lire les commentaires parce qu'en fonction de vos commentaires, je vous dis aussi ce que je pense. Car tu es vrai. Voilà pourquoi on t'attaque. Ah, mais ça, je le sais depuis la nuit des temps que je suis vrai. Et voilà pourquoi on m'attaque. Et si on ramène le nom de Flore, c'est parce que ils attendent que... S'ils en ramènent le nom de Flore, et j'ai le droit de leur dire ce que je pense, si l'autre vient me dire que lèche tout le monde, parce que j'étais là, mon direct n'avait rien à voir avec Flore. C'est quelqu'un qui est venu avec, il dit, lèche tout le monde, ne lèche pas seulement Flore. Donc, comme en gros, moi, je suis sur la toile pour lécher. Mais quand on compte, quand on peut même regarder les gens qui lèchent, ici, là, sur la toile, et là, je ne lèche personne. Je suis la seule qui a la tête haute sur cette toile, comme il n'en est pas permis. Ben, s'ils veulent résumer ça à un simple échange, mais je les laisse entendre ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent. Je les fais donc entendre ce qu'ils veulent. Ah, désolé alors, mais utilise tes armes pour combattre. C'est ta force. Ils pensent te déstabiliser avec le nom de Flore. Justement, Victorine et Yango. Donc, c'est pour ça que je les renvoie dans l'ascenseur. Pour les dire que vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Si dans votre tête, je lèche. Parce que quand il vient me dire que lèche tout le monde, arrête de lécher seulement Flore. Je leur fais comprendre que je préfère lécher Flore. C'est la seule personne que je vais lécher. Parce que leur gourou de la mendicité, il n'y a rien à lécher sur elle. Ce n'est pas que je ramène Flore dans mes combats. Parce que déjà, moi, je ne fais pas les combats de Flore, vous le savez. Mais c'est les gens qui sont toujours en train de ramener Flore. Voilà. Et quand ils viennent avec leurs commentaires à la con, je les renvoie. Je les renvoie ça. Ça dit que je les renvoie avec. Donc, c'est un peu ça, Mariam. Donc, tu n'as pas pris le direct au début et tu n'as pas compris. Voilà. Pas tout ce que les gens disent là-bas. Et tu es, vous-même, vous savez comment ça se passe sur la toile. Voilà. Ah, ok. Bonne journée. De rien. Maria Maïsatou. Voilà. Vous savez comment ça se passe sur la toile. Sur la toile, dès qu'on voit que tu t'entends bien avec quelqu'un, on va tout faire pour essayer de te déstabiliser, juste pour te cogner la tête avec la personne. Si tu n'as pas cette maturité, cette grandeur, tu vas tomber
Et comme moi, je ne les sers pas ça. C'est qu'ils attendent depuis. Je ne les sers pas ça. C'est ça que tu vois. Ils me fatiguent là comme ça là. Voilà. Et ils vont seulement se fatiguer. Et vous savez vous-même depuis quand ça a commencé. Depuis quand est-ce qu'ils ont commencé ça? Voilà. Et comme ça ne sera donc pas la première fois, parce qu'il y aura encore d'autres fois, ils vont alors faire comment? Ouais. Ils vont faire comment? C'est de ça qu'il s'agit. Bon, je vous laisse parce que mon café est fini. Je reprends le travail. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé. On se dit à ce soir. On aura peut-être un direct ce soir. C'est la veillée, non? C'est le début du week-end. Bonne soirée. Bisous.